Salut à tous, bienvenue pour le live numéro 149. Bien, ah. 148. Ah merde, j'ai toujours un de plus ou un de moins. Donc, Charlie, bonjour. Ça va Alex? Très bien. Et aujourd'hui, nous avons un invité de Marc. Il s'appelle pas Marc. Non, presque. Non, presque. Il s'appelle Chris et on est super content de t'avoir. Donc Chris de Tomahawks Moped. Donc vous l'avez certainement vu dans des reportages à la télévision française, c'est le français spécialiste des mobylettes ici à Los Angeles. Ça fait maintenant presque 2 ans qu'on est là à se parler, à se dire faut absolument qu'on vienne te voir à ton garage, que toi tu viennes au nôtre. Et puis bah voilà, il y a eu je pense des gens qui ont commenté sur ta chaîne, qui ont dit ah bah tiens il y a les franchises, puis bon ça a fait un peu le va-et-vient comme ça. Et je sais qu'il y a pas mal de gens aussi qui nous suivent, qui connaissent aussi et qui te suivent aussi. Et du coup bah c'était l'occasion pour qu'on puisse aujourd'hui enfin que tu amènes une mobylette et nous on viendra te voir au shop. Et voilà, donc bienvenue. Merci. Bienvenue Chris. Merci à vous tous, merci les franchises, SoCal, merci la communauté, hein. Vous avez une super communauté. Et c'est vraiment un honneur pour moi d'être là, franchement la vérité, je vous suis depuis un moment et c'est un gros trip quoi, de voir ça en vidéo et maintenant de voir le shop, c'est un truc de fou. Non, c'est clair. Écoute, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va présenter un peu les travaux en cours. D'accord. Les voitures qui sont là, sur lesquelles on bosse. Bien entendu, si tu as des questions, tu peux poser des questions. Parce que nous, il y a des choses qui paraissent évidentes pour nous. Viens, Rimo. Bonjour les jeunes. Ouais. Et les anciens. Ça va? Et les moins jeunes. Ça va? Ça va. T'as loupé le début? Ouais, excusez-moi, j'étais au... Ah non, c'était pas les moustaches? La moustacherie de retour. Voilà, ce que je disais, c'est qu'on va parler un petit peu de ce qu'on a en cours avec l'avancée du projet de la Camaro, l'avancée des caisses en cours. Et si tu as des questions, t'hésites pas à nous les poser. Parce que nous, quand on viendra te voir pour voir les mobs, on aura certainement plein de questions. D'accord. Parce que ça nous ramène 30 ans en arrière. D'accord. Voilà. Moi, si j'ai des questions, c'est un peu des questions cons, quoi. Parce que mais c'est très bien. Eh ben, pose. Voilà. Pose tes questions. Je sais que tu as une Nissan Z 370Z. Ouais. T'aimes bien les caisses aussi. Ouais, j'aime bien les caisses. J'avais une vintage, une El Camino. Ouais. 1984. Et c'était magnifique. Mais en daily, franchement. Sur hydraulique? Non, c'est toute simple, 84. Et j'avoue que je kiffais bien, mais en daily, c'était pas un truc, quoi. Enfin, ouais. Tu vois, t'avais pas la clim. Voilà, il y avait la clim d'époque qui marchait pas. Ouais. C'est comme ça qu'on les achète. Voilà, et après, il faut se taper 12 milliards de trucs pour que ce soit. Voilà. Ouais, on voit bien. Ok, et ben alors, on va garder cette petite 103 pour la deuxième partie du live. Puisque on va la garder. Donc on va discuter de toutes les modifs qu'il y a eu sur cette 103 qui est vraiment unique ici à Los Angeles. Donc il en reste doit en rester pas mal en France dans les granges, etc. Mais ça, pour trouver ça ici à Los Angeles, il faut s'adresser à Chris. Voilà. Donc on va commencer par la Camaro. Allons-y. Un petit peu et ensuite on va parler des caisses en cours. Ensuite, on fera un petit tour avec ça et on te laissera essayer une de nos caisses. Ça comme ça, tu pourras nous donner ton avis sur les vintage on ici. Expert. Voilà. Very good. Expert mobilettier. Voilà. Donc là, je vais rester à côté de toi, pareil pour le micro. Tu restes toujours à côté de nous, comme ça, on chope le son de tout le monde. J'aurais pu le faire avant, par exemple. Par exemple, mais bon, c'est du live. Comme d'habitude, on était prêts. Hein. Bon, ben voilà. La Camaro, le plancher est terminé. J'ai fait le undercutting, comme on dit, et je suis bien content du résultat. C'est vrai que ça m'a pris un peu de temps parce que je voulais mastiquer vraiment tous les points de soudure, même si l'undercutting en lui-même est épais. Je voulais pouvoir. J'avais envie que ce soit
que ce soit nickel. Donc j'ai passé un peu de temps sur la finition. Et puis voilà. Là, j'ai vraiment hâte de remonter tout le système de suspension. On a reçu le. Eh oui. On va remonter après. C'est la surprise pour notre ami Pascal. On a reçu Pascal. La pièce qui nous manquait pour la pièce maîtresse. Donc là, c'est Jurassic Park en fait là-dessous. Hein Jurassic Park. Bah oui, t'as mis du Raptor. Ah, du Raptor, voilà. Ouais. Oh, il est en forme. Il y a un mec qui a besoin d'aller faire une sieste là. Alors, j'ai une question. Ouais, vas-y. Justement, quelle est la spécificité de la peinture Raptor? Alors, c'est une peinture. Particularité. Alors, c'est un hybride époxy. D'accord. Donc, ça, c'est un traitement, c'est. Comment. Attends, laisse-moi formuler Take ça. Two. C'est un hybride époxy, ça veut dire que ça a la dureté de l'époxy, mais par contre, si tu touches, tu vois, c'est à moitié plastifié. Ah, tu vois ce que je veux dire? Donc, parce que le problème, l'époxy, ça durcit tellement dur que si jamais tu as des roches qui tapent dedans, plus c'est dur, c'est comme du verre. Tu vois, c'est tellement dur, ça pèterait. Donc là, en fait, c'est un mélange. Enfin, c'est souple et solide. C'est assez bizarre, mais. Et donc, moi, j'aime l'utiliser, évidemment, pour les planchers. À l'origine, ça, c'est fait pour les intérieurs de Ben. Et c'est fait aussi pour être utilisé en undercoating. D'accord. Ce que j'aime faire aussi, c'est ce que je vais faire sur celle-là, la prochaine étape, c'est que je vais faire un traitement Raptor à l'intérieur de la voiture aussi. Le plancher, le coffre, les intérieurs de l'arrière. De un, c'est super propre. De deux, ça protège contre les intempéries, la rouille, l'humidité. Enfin, ça isole vraiment la tôle de tous les problèmes. Enfin, et c'est aussi un traitement, comme c'est épais, ça aide au traitement isolant phonique. Voilà. Sur le plancher ici, on s'en fout, mais à l'intérieur, le fait de faire un traitement Raptor à l'intérieur, et en plus, on met ce qu'on appelle le dynamat, les plaques de goudron. Franchement, après, quoi, c'est vraiment l'isolation phonique. Elle est vraiment mieux. Et niveau prix, c'est beaucoup. C'est 2-3 fois plus cher qu'un traitement normal ou... Non, c'est dans les mêmes tarifs. Alors par contre, je ne vais pas mentir, je déteste le pulvériser. T'en prends plein la gueule, ça pue, mais ça vaut la peine. C'est pas évident à pulvériser parce que si on reste trop longtemps au même endroit, le pistolet en fait n'est pas ajustable. D'accord. Donc il faut vraiment essayer d'avoir le même mouvement partout pour que la texture soit la même. Et comme quand on fait les intérieurs, dans des arrondis comme ça, en fait, tout le Raptor te revient dans la gueule. Quoi. D'accord. Donc c'est particulièrement désagréable. Charlie, t'avais vu hein, quand j'étais arrivé. J'avais l'impression que t'avais deux cocards, en fait. Par contre, voilà, je sais que cette voiture-là, peu importe où tu vas, tu pourras aller dans le sac, tu pourras aller l'axe aller avec. Tu mets un coup de Karcher, la rouille, c'est terminé. Donc résistant à la rouille, mais aussi aux impacts. Tu peux y aller. Honnêtement, je ne vais pas le faire, mais tu pourrais mettre un coup de marteau dans les longements. D'accord. D'ailleurs, à ce sujet-là, quand on avait été au SEMA, on avait vu beaucoup carrément des 4x4 ou des pick-up qui étaient peints en carrosserie extérieure comme ça. Mais ça, c'est pour les gars qui vont vraiment, ils savent qu'ils vont se retrouver dans avec les branches, etc. Et du coup, ça protège vraiment mieux. Après, si c'est un style. Hein. Si ça irait pas à la Camaro de Pascal, je crois. Si tu veux revenir à l'origine, là, par exemple. Bonne chance. Imaginons, je sais pas, si on voulait. Si le client Pascal décide de, je veux le plancher complètement lisse. Ça, c'est une autre raison pour laquelle j'avais fait la finition. Quand t'es pas trop sûr, tu vois, vaut mieux en faire trop que pas assez. Là, Jenny, tu peux venir filmer, tu vois, toutes les soudures, tout ce qui était là, même si on les. Là, j'ai les soudures pour les platines de siège à l'intérieur. Pardon. Tu vois, j'ai tout mastiqué ici. J'avais tous des points de soudure partout. Et je suis un peu maniaque là-dessus. Mais c'est vrai que si jamais il voulait revenir à le peindre genre lisse, à la bonne chance. Parce que même au sandblast, le Raptor, c'est... C'est dessus. C'est dessus. Et donc, très bien. Pareil, donc, j'avais fait la délimitation ici, peindre la cloison pare-feu. Ouais, c'est peut-être tape, mais... pouvoir peindre la cloison pare-feu, je vais avoir une ligne vraiment entre les deux qui va être nickel. Évidemment, on devrait être là. Vous voyez là, je vais pouvoir mettre un tape, une ligne fine ici, et quand je vais peindre, ça va être vraiment, une fois que la voiture va être sur le pont, ça va être vraiment nickel. C'est beau, hein. Bravo. Hein ouais. Ouais. Bravo. Bon, super. Donc ça avance bien, bravo. Alex avait eu la bonne idée d'ajouter un spoiler à l'arrière. Donc, sur le coffre. J'ai pris la liberté. Tu as pris la liberté. Donc il va là. Parce que moi j'aime bien. Voilà. Je trouve que ça lui donne de rajouter le becquet. Tout de suite, ça rajoute de la gueule. En photo sur internet, c'était une très belle pièce. Ah ouais.
Et j'ai ouvert la boîte, donc j'ai envoyé les photos à Pascal. Et... Ah bah c'était une usine à vagues en fait. C'était... Et j'ai un peu transpiré à faire les perçages, parce que bah, t'as pas vraiment le droit à l'erreur. Et comme vous pouvez voir, il y en a partout et il n'y a aucun template. Donc il a fallu mesurer tous les trous que tu perces une fois. Et donc après, j'ai passé quand même 10 heures. Entre l'installer et faire la finition, il a fallu que je le mastique complètement. Ouais, ça c'est pareil, tu m'avais montré, quand je l'ai vu, il y a un côté qui était déjà fait. Donc le côté qui était déjà fait, c'était tout lisse. Okay. Et par contre, l'autre côté, on voyait que c'était vraiment... c'était tout en vague comme ça. Et du coup, ça aurait juré avec le reste de la carrosserie qui est super droite. Parce que l'objectif de cette caisse-là, c'est pour ça qu'on passe autant de temps, c'est de faire vraiment une bille, que la caisse, elle soit vraiment... Et que selon l'éclairage, que tu n'aies pas d'endroit qui soit... Voilà. Mais ça, forcément, c'est ce qui fait la différence entre une belle peinture et une peinture de ce qu'on appelle de chaud ici. Voilà. Ça, c'est un parfait exemple. Quelqu'un, admettons, c'est un budget classique. Bon, tu vas dans une shop de carrosserie, les mecs, ils auraient mis un petit coup de scotch bray, ils l'auraient peint, boulonné dessus, et puis voilà, c'est réglé. Donc ça aurait pris 2 heures. Là, ça prend plus de 10 heures, et je ne l'ai pas peint. Enfin, il faut que je le reponce, je vais le réapprêter une deuxième fois. Donc au final, voilà, quoi, au lieu de prendre 2 heures, ça, juste cette pièce-là, entre la préparation, la peinture, après, il va falloir que je la polisse, poncer à l'eau, la dépolir et tout le bordel, juste cette pièce-là, je vais peut-être passer au final 30 heures. Ouais. Et là, on parle d'une pièce. C'est comme ça, c'est toute la caisse comme ça. La voiture. Après, voilà, mastiquer les planchers en dessous, les soudures, c'était quelque chose, c'est pas nécessaire. Mais après, au final, voilà, quoi, c'est ça qui fait la différence. Quand la voiture, c'est le client un jour, il décide d'aller dans un show, montrer vraiment la caisse. La manière que je travaille, c'est que je veux faire des voitures où elles sont faites pour rouler, mais si un jour le client il décide qu'il va aller dans un show, je veux être sûr qu'il puisse démonter les roues, la mettre sur des chandelles, mettre des miroirs en dessous et vas-y, regarde. C'est bien. Voilà, ouais, c'est sûr, mais c'est énormément de travail comparativement, mais c'est ça le challenge aussi. Au début, j'ai commencé à faire des voitures qui n'étaient pas du tout de ce niveau-là, mais tu n'as plus de challenge. Là, c'est cool. Et tu vois, tu bâtis une relation avec le client parce que bon, je lui envoie des photos de l'avancement et tout. Et au final, c'est cool parce que quand la voiture va être terminée, tu vois, le client va la récupérer un jour. Je repartirai en vacances en France, je vais aller voir la caisse dans un show avec lui. Ouais. Et tu vois, c'est ça la drive, c'est ça qui est cool dans ce métier-là, comparativement à travailler dans une carrosserie où moi, je pourrais pas parce que bon, le client, il dépose la voiture, tu changes de pare-choc, il s'en va. Tu vois, c'est collision center, un truc comme ça. C'est de l'alimentaire. Ouais. Que là, tu as ton nom dessus, tu l'as signé, tu peux dormir la nuit. Voilà. Et ça, c'est... Comme toi dans ce que tu fais. Oui, pareil, le perfectionnisme, et puis c'est tout, c'est ça ou rien. Quoi. Reste bien à côté pour le micro, comme on n'en a que deux. Ok, très bien. Je vais montrer le petit ici, il a reçu son... Alex, c'est ta partie. Là, je suis très content parce que ça a mis du temps à arriver. Ici, comme je l'ai expliqué l'axe précédent, on a quand même une pénurie de pièces détachées sans précédent. Il y a souvent des petits backorders, des petits trucs en reliquat, mais là, depuis qu'avec le Covid, ça avait vraiment tout freiné, tout ralenti, ils ont épuisé tous les stocks et ils ont beaucoup de retard dans la fabrication des pièces. Et du coup, ça met tout, mais vraiment un temps infini à arriver. Et c'était le cas pour ce joli bébé-là. Donc, le pont Curie 9 inch. Le pont Curie 9 inch. Donc fait sur mesure pour la voiture avec le bon gearing, avec les braquettes déjà soudées pour notre système de suspension arrière à coilover. Tu parles desquels de cela ? Voilà. Donc il a été spécialement fabriqué pour cette voiture-là. Donc avec les freins Wilwood comme convenu, on voulait les étriers noirs. Donc c'est fait sur mesure. Donc avec un posi, dedans il y a un trou track, donc un pont à glissement limité. Ouais, et c'est un rapport conique de 3,70. Donc on a un bon compromis entre être court et pas. Parce que là on a une boîte de vitesse 3 rapports. Donc Une boîte TH350 qui va être buildée de façon sérieuse pour pouvoir encaisser la puissance du moteur. Donc il fallait choisir un rapport de pont qui soit un bon compromis, c'est-à-dire qu'il ne soit pas trop long pour pas que la voiture se traîne. Et pas trop court. Bon, c'est court, c'est fun, ça a la patate, mais après sur l'autoroute, ça patine dans la semoule. Donc là, on a pris un rapport un peu passe-partout, intermédiaire. Donc ça devrait être cool. Donc voilà, là, on va pouvoir enfin la remettre sur ses roues. Maintenant que le dessous, Rimo a fait sa. Justement, ça que je voulais voir avec les bras. Ceux-là vont en bas, mais
avec le dessous en Raptor, les pièces en noir mat, ça va être... Voilà, donc là, on a tout. On a le train avant là-bas, on avait déjà montré, qui est prêt. Ouais. Maintenant, on va pouvoir mettre le train arrière. Donc, on va pouvoir la mettre sur ses roues. Je vais pouvoir runner toutes les lignes de carburant, de frein. On va pouvoir commencer à remonter un peu le dessous. Et c'est là, qu'on va voir que ça bouge vraiment plus. Ouais, ouais. Parce qu'on avait l'impression que ça mettait du temps, mais toutes les parties qui prennent beaucoup, beaucoup de temps et qui donnent l'impression que ça avance pas, bah ça a déjà été fait. Donc maintenant, c'est là qu'à chaque semaine, on va voir la caisse évoluer. Donc c'est intéressant. Surtout là, pour le dessous, c'est un bon exemple pour adapter le système de suspension moderne, le 4-link. Bon, évidemment, c'est un kit Bolton. Ouais, les heures, on a bien rigolé. Là, maintenant, tout est peint, tout est terminé. On sait que là, ça va être du plaisir. Quoi. On va se mettre là-dessus, on va tout remonter. Bon, je vais sûrement me lâcher un peu sur le réservoir d'essence parce que je pense pas que je vais le laisser gris. Mais voilà, là, on va pouvoir commencer à faire, tu vois, des petits détails. Je pense que comme le plancher est genre brillant, semi-gloss, et ça c'est mat. Bon, je pense que je vais peindre le réservoir d'essence noir mat et les straps semi-brillants, juste pour c'est juste le petit pan, juste le petit coup de poing. Et quand tu démontes les roues, tu vois, voilà, là ça commence à être là ça va être cool, quoi. Ouais. Puis j'ai tout monté à blanc, donc là où il y avait des pas de vis et tout ça, j'ai tout protégé, donc je sais que là on va le remonter, tu vois, on peut mettre des gants blancs et genre tout reboulonner. Wow. Là ça va être cool. C'est pour ça qu'il faut toujours monter à blanc. Bah, tu connais, hein, toi, oui, ça doit être oui, pareil. Oui, faire un montage, montage à blanc, c'est obligatoire parce que tu dois prévoir toutes les modifs, être sûr que tout fonctionne avant de peindre, avant de faire tout beau. Et après, une fois que tu as fait ça, ça, comme il dit, ça monte tout seul et il n'y a pas de surprise. Oui, il n'y a pas de surprise. Mm-hmm. Nickel. Moi, je peins à l'arrache, hein, je tiens à le dire. Mais tu peins à l'arrache. Je préfère être honnête. Si tu as besoin, je connais un peintre. Parce que moi, la peinture, je suis pas trop. C'était pas mon truc. Voilà, je suis pas connu pour ça. Mais la mécanique, oui. Mais la peinture, j'avoue que c'est un peu... c'est la mobilette, alors bon. Mais en même temps, c'est aussi une question de budget, voilà, de ce que veut le client, du produit final et tout. Mais, mais en tout cas, on va y revenir, mais... Merci beaucoup. De folie, quoi. Comme ouais, ça, c'est un autre domaine, comme toi, ce que tu fais. Hein, je veux dire, chacun a ses talents et sa passion. Oui. Très bien, Alex. Ensuite, au niveau de la Mac One... Voilà, t'es ça dessus. Avance, voilà, gentiment. Il n'y avait pas de feu de recul, donc j'avais vu que le capteur était manquant et je pensais qu'il arrivait avec un bracket. Il n'est pas arrivé avec le bracket, donc il a fallu le fabriquer. Donc, fabrication du bracket, rebranchement de tout ça, changer les ampoules, donc les feux de recul, c'est bon. Enfin, tous les petits trucs que j'ai vus avec notre ami. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en termes... là, je suis sur la direction assistée, la vidange j'ai faite, les freins, j'avais déjà regardé. Il y a encore deux, trois petites bricoles, mais ça devrait suivre son cours. J'ai changé les courroies, les petites bricoles, quoi. OK. Éclaireur de plaque qui était manquant et installé. Bon, on avance. Et puis après, j'emmènerai pour les pneus l'alignement. Donc ça devrait sortir assez rapidos. Voilà. Très bien. Ensuite, on en avait déjà parlé. La manière qu'il en parle, c'est comme si c'était facile. Non, c'est jamais, parce que, c'est pas dire, facile. Il y a des trucs. Le petit bracket, ça prend du temps. Non, parce qu'on dirait, attends, tu fais ça naturellement parce que t'es bon dans ce que tu fais, mais c'est quand même pas évident. T'as un capteur, mais merde, je mets ça où? Et tu l'as fait en quoi? En 30 minutes, mais ça m'aurait pris 5 heures. Après, c'est l'habitude. C'est pas le premier que je fais sur ce genre de boîte. Donc là, c'est un peu différent des autres, mais là, maintenant, j'ai trouvé le truc. Puis après, tu regardes, tu fais il me faut du métal. Alors, ça c'est pas mal, je vais couper, je vais faire ça, tiens, pam, pam, et c'est fini. Pareil là-dessus, donc ça on a roulé. Celle-ci ça là, on a roulé. Ah, vous avez roulé alors ? Voilà, la nouvelle. Moi j'étais pas là cette semaine, on a pris trois jours de petit congé, donc je découvre. Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc la voiture roule très bien, etc., mais il y avait un truc dans la direction qui me plaisait pas. Et la colonne de direction était en fin de parcours. Donc, et la particularité de cette voiture-là, c'est qu'à l'époque, elle était équipée d'une colonne tilt-away. Donc la colonne qui se dégage vers le truc. Bon, tout avait été enlevé, tout était absent, donc ça ne marchait plus. Et la colonne était dans un état déplorable, tous les roulements, tout avait pris du jeu. Et elle était cuite la colonne. Donc ce qu'on a fait, vu qu'il n'y avait plus rien, on a enlevé la tilt-away, on a pris une colonne standard droite qui a été peinte pour matcher l'intérieur. Et donc tous les roulements, les bacs, tout ça seront neufs. On a refait l'arbre, comme ça il aura une colonne de direction toute neuve. Et là j'espère que ça va fixer le. Avec l'arbre soudé au TIG, on va souder au TIG. Au lieu de remettre des pins comme là. Ouais, on a laissé.
J'ai tout soudé au TIG et puis on a fait une petite finition. Bon, ça se voit quasiment pas, mais c'est propre. Donc voilà, au moins la colonne est d'une pièce. Et puis là, ça devrait grandement améliorer la direction. Donc ça reste en cours de finition. J'attends le switch de clignotant qui est lui cordeur. Et il est spécifique à cette année. Donc ce switch-là a été monté que sur les 67, pas sur les 65, 66, ni 68, 69. Oui. Donc qu'une année et ils sont en rupture. Donc j'attends pour pouvoir remonter ça, finir et voir si ça a amélioré la direction. Mais je pense que ça va grandement l'améliorer parce que déjà la colonne, le volant était déjà dur à tourner. Tout était cuit. Donc voilà, on a pris la décision de faire une nouvelle colonne. Donc j'espère que ça va améliorer. Ça n'existe pas en neuf, donc il a fallu que j'en déniche une d'occasion, une colonne standard. Bon, j'ai trouvé, mais elle avait vécu des jours meilleurs et la cloche était complètement défoncée. Notre ami Rimo, le magicien du redressage, me l'a bien remis d'aplomb. Elle était déglinguée, donc il me l'a. Voilà. Là, c'est comme neuf. Voilà, donc on va lui remonter ça. Et puis après, ça va être train avant, géométrie. Et recharge de clim, et puis voilà, ça va fini quoi. Chaque voiture, c'est une aventure. Mais c'est cool. Il y a toujours un truc. C'est cool, mais il faudrait qu'on soit 12 là-dedans. Ouais. Ouais. Il faudrait quasiment qu'il y ait. Voilà quoi, toutes les heures, il y a un truc. S'il fallait qu'on parle de tout là dans le live, je pense que j'en oublie la moitié, t'en oublies la moitié. Ouais. Genre hier, si on prend la journée d'hier, mais c'est. Ouais, c'est non-stop. C'est non-stop, mais bon, c'est. Ça fait partout. Oui. Ah bah alors là, monsieur Gentil, là j'ai envie de vous dire, on vous donne une ancienne, monsieur Gentil. Ouais, je vais mettre un nouvel coup, monsieur Gentil. Assistance. Assistant de production. Mais là, c'est quand on peut dire des conneries. Elles sont où les Jenny? J'imagine que c'est une référence. Les Jenny? Ah, ça y est. Faut que tu te rapproches un peu, Chris. Voilà. J'ai pas de micro. Ça, c'est un délire sur ma chaîne. C'est une façon caché, on va dire, détourner un petit code pour décrire ces belles demoiselles. Voilà, d'accord. Les Jenny. Mais elles sont là, elles sont présentes, n'est-ce pas? Elles sont là? Elle est là, aujourd'hui. Ah, mais là, tu vas dans mon deuxième domaine de prédilection. Ah oui, d'accord. Ma deuxième passion. Ouais, ce n'est pas ma première. Ah oui. Avant les voitures? Non. Non. Oui. I'm back. You're back. Il est revenu. Voilà. Il est miqué, c'est bon. Bon voilà, l'atelier, le reste suit son cours, les listes sont faites, les pièces sont en commande, puis ça suit son roulement, ça roule hein, tout seul, donc une après l'autre, puis voilà. Ouais, ok. Voilà. Ouais, alors Chris, il va essayer une caisse, alors aujourd'hui, Chris, tu vas essayer... J'ai pas permis, c'est pas grave. Bah c'est pas grave, on viendra à côté. Ok, d'accord. On aura le pied à côté de... Fake it till you make it, n'est-ce pas? Alors... Exactement. Tu vas essayer la caisse de Jean-François. C'est qui Jean-François? Qui est un client français. Bah on le salue. Voilà. Jean-François. Et donc, JF. Et donc cette caisse-là, c'est une vraie GT, donc c'est une vraie Mustang GT. Okay. Donc c'était à l'époque ce que tu pouvais avoir de mieux dans la Mustang avec toutes les petites options qui allaient bien. Donc c'est en première génération. Et donc voilà, et donc c'est une 66. Okay. On va aller. C'est le code A, donc c'est la version. La motorisation un peu supérieure, c'était pas le premier V8, c'est le deuxième choix, donc c'était pareil une option. Tu choisissais ta voiture avec les codes, tu choisis le code A, ça c'était la version un peu plus performante. Voilà, et donc elle avait déjà les freins à disque, elle avait déjà les échappements trompettes dans la jupe arrière que tu verras, etc. Donc voilà, belle petite caisse, donc celle-ci. Merci. Et puis on voudrait féliciter aussi Alain pour l'achat de la petite blanche que vous verrez certainement dans le prochain live parce qu'on n'a pas eu le temps là de vous la mettre en valeur, mais la petite blanche qui est là-bas. Ah mais si, on l'avait montré la semaine dernière. Donc voilà. Donc, oui, c'est gentil. Voilà, donc Alain, félicitations pour l'achat de la Mustang blanche. Très bien. Hein? Voilà, on l'applaudit. Bravo. Merci à tous. Donc très bien, je crois qu'on a fait le tour pour la partie voiture. On est tous là maintenant, on est à fond maintenant. Je vais péter. Alors voilà, alors là maintenant c'est ton moment. Okay. Chris, explique-nous un petit peu d'où c'est parti, quelle année c'est. Et puis en gros, si tu peux nous dire, je pense qu'ils ont des questions aussi. Ouais. Mais en gros, comment ça est arrivé, depuis combien de temps tu es aux États-Unis? C'est les questions qu'on a envie de auxquelles on a envie que tu répondes. D'accord. Écoute, moi mon parcours par rapport à la mobilette, si c'est ça ta question. C'est vraiment tombé par hasard. Ici à Los Angeles, j'étais là depuis 2000.
À l'époque, en 2008, j'étais entraîneur sportif et la mobylette, elle est tombée, mais vraiment retombée par hasard dans ma life, tu vois. Par accident, mon voisin d'immeuble qui se pointe avec une mobylette Tomos, hein, qu'on ne connaît pas trop en France, et tout est parti de là. Donc, dès le lendemain, bien sûr, je suis allé sur les annonces, je me suis trouvé un petit 103 d'occasion que tu vois ici, voilà. Ouais. Et 1978, je crois, qui était de la même couleur, bleu, le Peugeot, bleu, le bleu Peugeot. Ouais. Et c'est parti de là, en fait. L'aventure, elle a commencé comme ça, petite passion du week-end. Et j'ai tout de suite commencé à la customiser, mais direct. Hein. Elle était d'origine, tu sais, roulée avec les pédales et avec tout. Avec les pédales et tout, voilà, la mobylette du pépé, comme on kiffe. Et la petite histoire qui peut être intéressante, c'est que quand je l'ai eue, il y avait, dans les quelques jours qui suivaient, une balade mobylette ici, tu vois. Ouais. Des gens voilà, qui faisaient de la balade. Et moi, j'y suis pas allé parce que j'avais honte de me pointer avec mobylette d'origine, avec ouais. les pédales, tu vois. Et donc, je me suis pointé en scooter et j'ai tout grillé là-bas parce qu'en fait, j'étais le seul scooter chinois vert et je démarquais, tu vois. Ah ouais. Et les gens m'ont dit, mais pourquoi t'es pas venu avec ta mobylette, avec les pédales d'origine? Parce que non, je veux la customiser, j'avais honte, je voulais pas me présenter. Donc, c'est marrant. Alors qu'ici, justement, c'était ça, le charme de la mobylette, les pédales d'origine, rouillées, peu importe, tu vois. Mais je n'étais pas encore dans le délire. Donc, bref, c'est une histoire marrante. Mais donc, c'est parti de là, j'ai fait du custom et je me suis découvert une passion, si tu veux, un talent pour ça. En termes de mécanique moteur, en termes de customisation. Et je me suis lancé à faire des petites préparations pour des gens, tu vois, de clubs de mobilettes, en fait, des amis ouais. de quartier, ok. Et ensuite, j'en ai fait un business mi-temps, au départ. Et ensuite. Pendant ce temps-là, tu faisais des pompes le reste du temps. Je faisais des pompes, je faisais des voilà. abdos, tu connais le T'allais site. T'allais voir les Jenny californiennes. Voilà, comme lui, tu vois. Voilà. Et tu t'allais voir les blondes californiennes. Et tu leur faisais faire des abdos fessiers. Des abdos, des fessiers, des voilà. glutes, le six-pack et tout. Voilà. J'avais eu ça au collège. Ouais, tu te serais papa. Ouais. Ça galoche sous le préau avec ça. Ah, ça bon, celle-là, elle a pas la biplace. Ça serait un peu compliqué sans la biplace. Justement, elle marche. Justement. Sur les genoux, let's go. Donc c'est parti de là. Et puis après, j'en ai fait bien sûr un business plein temps. J'ai ouvert mon shop et voilà, ça a fonctionné. Alors c'est parti graduellement. C'était pas d'un seul coup le succès, tu vois, du jour au lendemain. Ouais. Mais après, ça te fait une réputation, faire de beaux customs. Donc je me suis fait un nom, j'ai fait du circuit et après je me suis concentré sur la réparation quotidienne, c'est-à-dire les freins, les vidanges, ce qui fait vraiment tourner un business, ok, mm-hmm. on est d'accord. Donc ça c'était la part de rêve, la carte de business comme on dit, pour montrer ce que je sais faire et après là plus récemment maintenant depuis 2-3 ans, je suis surtout sur la réparation quotidienne, l'entretien, okay. Okay de gens qui vraiment roulent. Pour aller au travail ou voilà. On fait encore un peu. Parce qu'à l'endroit où t'es, toi, t'es du secteur d'Hollywood. Oui. C'est un petit peu. Ça fait plus ville, ça ressemble plus à une ville comme Paris où tu peux vraiment aller en mobylette. Voilà. Nous, notre problème, c'est que dès que t'es un peu excentré, c'est tout de suite les freeways et, ouais. et là, t'es limité non, en vitesse. C'est très dangereux. C'est très. Voilà, mais là, au moins, en centre, c'est vrai qu'on en voit plus. Downtown, Los Angeles, ouais. tout ce qui est downtown, ouais. tu vois, c'est un peu compact. Et ça marche très bien pour les jeunes étudiants ou les jeunes artistes ou les gens un peu branchés, on appelle ouais. ça, tu vois, hipsters, ouais. etc. Et c'est le petit délire pour se balader. Alors, ce qui prend un peu le dessus maintenant par rapport à ça, la vieille mobylette à essence, c'est les mobylettes électriques. Ah, il y a ouais. un petit groupe de jeunes qui se mettent maintenant là-dedans. désolé. Les mobylettes, elle est... Bip. Tu vois, ouais. voilà, c'est censuré. Par, voilà. Mais c'est ça qui commence à prendre maintenant. Au niveau effet de mode, sur Instagram et les TikTok et les machins, on sent les jeunes, les clubs de balade, ça c'est devenu la mobylette, voilà, un peu, voilà. Mais qui est très belle, elle est très belle, faut le dire. Pourquoi vous avez amené ça? Pourquoi? Pourquoi on a amené ça? Pourquoi vous me faites ça? Mais tu le sais là, mon salaire, c'est pour te faire rêver, mon gars. C'est pour te faire rêver. Oui, on a une question. On demande à Chris si tu as fait le record de vitesse sur le lac Salé. Non. Est-ce que, attends, je vais reposer la question parce que je sais pas si on l'a entendu. Est-ce que tu as fait le record de vitesse sur le lac Salé? Non, moi je ne me suis jamais lancé dans cette aventure parce que j'ai jamais eu l'opportunité de faire une machine spécifiquement pour ça ou trouver le temps d'aller là-haut. J'en ai entendu parler. J'ai des amis à moi, mobeurs, qui l'ont fait ou qui ont des motos, etc. Il y a des Français qui sont venus ici, notamment une grande marque Bidalo en France, ouais. une équipe qui est venue ici, un team, qui a d'ailleurs le record, je crois, de vitesse sur le lac Salé pour ouais. une cylindrée 50 cm3, etc. Moto, je crois, à vitesse. Et d'autres Français aussi qui sont venus ici faire de belles prestations. Mais moi, j'ai jamais. Toi, t'as couru un petit peu en. Moi, j'ai fait du circuit. En circuit, piste. La piste. Ok. De piste de kart. Mais jamais du. Mais j'en rêve un petit peu, mais bon,
Ouais, c'est une autre discipline. C'est une voir. Idée, ça, ouais, ouais. C'est, mais c'est une bonne idée. Pourquoi vous parlez de ça? Encore? Tu vas encore fumer ton salaire là-dedans. Ah, ouais, ça, hey, Chris, j'ai une question. C'est quoi, oui. Là, ça m'intéresse. Là, les records de la question étaient intéressants. Ouais. C'est quoi un peu les vitesses qu'ils atteignent avec une mobilette, par exemple de... Bon, j'imagine que c'est une machine de course, tout est préparé, il n'y a plus rien d'origine. Mais on parle de quoi comme genre de vitesse? C'est-à-dire sur le circuit de cartes, la piste? Non, non, sur les, ouais, les records de vitesse sur les lacs salés, c'est quoi un peu les vitesses? Ah, je sais plus, ça, c'est là, intéressant. N'importe quoi, mais en 50cc, ça va vite. Hein. Je vais peut-être dire. Je vais me tromper peut-être, hein, mais je crois qu'on est dans les 180 km/h. Pardon? Oui. Une fois lancé avec les carénages et tout, un truc à 5-6 vitesses. Avec 50 cm. Ça prend du temps. Ouais. Oui, wow. Puisque déjà, il y en a sur la route qui font 130, déjà. Dans mon domaine. Ouais, c'est pas plus que ça, ouais. C'est pas plus de 200 ou c'est possible. Non, mais je crois que c'est peut-être 200, c'est possible. Je te dis, c'est sur 180, voire, merci les mouches, près de 200 km/h, il me semble. Je sais pas exactement, mais ça va très vite. Mais c'est, attends, mais je suis sûr que t'as des die-hard fans qui doivent connaître. Hein. Donc tous ceux qui suivent et qui sont à fond dans les mobs, vous pouvez commenter et nous dire. N'hésitez yes. pas. Yes, autre question ? Peugeot ou aussi du MotoBK? Est-ce que tu fais aussi uniquement du Peugeot ou aussi du MBK? Alors je dirais F MotoBécane, je ne fais que de la Peugeot. Non, je rigole. Non, parce que je rigole, parce qu'en France, il y a un peu, si tu veux, comme ici, Ford et Chevrolet. Deux c'est la guéguerre. C'est la guéguerre et tout, etc. Oh là là. Moi, je fais de tout. Je fais Peugeot, je fais MotoBécane. Par passion, en tant que passionné, je touche les deux. J'ai modifié les deux, j'ai poussé les deux, je me suis éclaté dans les deux marques. Maintenant, au shop, je prends ce qui rentre. Peugeot, MotoBécane, bien sûr, on ne veut pas... voilà. Mais moi, je fais des deux. Je suis passionné des deux marques françaises, Peugeot et MotoBécane. Et tu me disais aussi qu'ici, aux États-Unis, il y a eu dans les années, fin des années 70, début des années 80, beaucoup de, enfin vraiment la grosse mode des mobilettes. Et en tout, il y en a eu 500 000 à peu près qui ont été importées, mais avec plein de marques, pas uniquement les marques françaises. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, la culture mobilette américaine, c'est que, comme tu dis, il y a eu à peu près, on estime, d'après les chiffres que j'ai vus, 250 000 à 500 000 mobilettes importées depuis la vague 76, 77 à 83, 85. Après, ça s'est arrêté. C'était pendant la période de la crise du pétrole. Donc, on retrouve des marques non seulement françaises, Peugeot, MotoBécane, la première étant MotoBécane. Ensuite, on suivit les Porsche ou les Puch, comme on dit ici, d'Autriche. On suivit les Allemandes, les Axe, les Italiennes, Garelli, Vespa, les Japonaises, Honda, etc. Les Espagnoles avec les Derby et j'en passe et des meilleurs. Donc on a toute une vague ici, un échantillon de marques, de mobilettes et c'est magnifique parce que la culture elle est belle. Et quand on va en balade, tu as pas que du Peugeot, de la MotoBécane, tu as plein d'autres marques, c'est magnifique. C'est cool, et on viendra voir. Ouais, non, ouais. On va venir voir ça parce que c'est vraiment fun. Les roues sur ta moto, c'est quoi? C'est MotoBécane? Alors les roues, c'est une bonne question. C'est du 5 bâtons, je ne me rappelle plus. Mais c'est possible que ça soit MotoBécane, oui. Il me semble que c'est MBK 51. Oui, c'est MBK. Peut-être Grimeca, mais c'est effectivement... C'est une paire de jantes que j'ai achetées sur leboncoin.fr en France à l'époque, il y a plus de 10 ans. J'allais sur les petites annonces et bien sûr proposer d'acheter la paire et les Français envoyaient ça aux États-Unis. Voilà. Donc j'ai dû la choper effectivement en France, paire de bâtons MBK, jante à bâtons. Cool. Voilà. Charlie, est-ce que tu peux dire un petit mot sur la traversée New York-Los Angeles de l'or, tu sais? La route. Du projet. Le projet de Philippe Cassado. Bon. Ouais. Emo Venice. Voilà. Écoute, mets le lien en commentaire, mais en fait, donc je t'en ai parlé tout à l'heure. D'accord. C'est des Français qui veulent faire une traversée, donc ils vont envoyer deux mobilettes. Et ils veulent faire donc en mobilette d'origine et ils vont traverser tous les États-Unis pour lever des fonds pour une maladie. J'ai oublié de quelle maladie. Je crois que c'est une maladie de sanguine pour les enfants. Ouais, ça me dit quelque chose, ça. Et du coup, en fait, je sais que nous, on s'était engagé à renvoyer leur moto, leur mobilette gratuitement. D'accord. Pour les renvoyer en France dans un de nos containers. Et je sais qu'ils ont prévu de passer te voir. D'accord. Aussi au shop. Donc voilà. Ça me dit quelque chose. Philippe, avec qui on était déjà en contact. Pour ce projet-là, mais c'est vrai qu'entre temps, il y a eu le Covid, et du coup, forcément, ça a retardé. Donc, je ne suis plus tout à fait au fait de l'association, du nom exact et du type, mais dès qu'il nous en a parlé. Voilà, ok, donc pour les enfants qui sont atteints d'hémophilie. Et donc, nous, on a la chance d'avoir des containers qui partent au moins deux chaque mois. Donc, j'avais proposé de renvoyer les mobilettes dans un de nos containers. Mais c'est un super projet. D'accord. Voilà. Et on espère, parce que ça va être une aventure, parce qu'ils partent avec les deux mobilettes et ils ont des petites remorques et ils ont plein de pièces de rechange.
et ils se débrouillent pour faire toute la traversée. Alors, donc, c'est pas des Peugeot. Hein? C'est des Peugeot. C'est des Peugeot. Ça y est, tu vas bâcher les portes. Ouais. Eh, moi, tu sais ce que je ferai à leur place? Je ferai une MBK et une Peugeot. Comme ça, au moins, ils sont tranquilles, il n'y a pas de jaloux, tout le monde peut suivre. Il y a déjà un Français qui l'a fait, cette aventure. Ouais. Peut-être plusieurs, mais il y a quelques années de ça, avec une moto bécane, je crois, qui a traversé tous les États-Unis. Ça a été répertorié avec documentaire et tout. Et il a fait son petit trip tranquille. Voilà. Il avait fini sur la West Coast, d'ailleurs, je crois. En tout cas, un magasin ici phare de mobilette à l'époque. Il vendait de la pièce, des réparations et tout. Donc ça a été fait déjà, en tout cas. Par contre, il ne faut pas le faire avec ce siège-là. Si, bien sûr. Non, c'est très confortable. Ah ouais. C'est pas moi qui ai fabriqué le siège, c'est la tôle emboutie d'origine, c'est un siège Peugeot. J'ai juste retiré la mousse et le. Voilà. Ah ouais, ok. Le cache. Très bien, alors en deux mots, tu peux nous dire un peu. Là, on voit qu'il y a beaucoup de modifs, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. En deux mots, voilà. Le cadre est modifié. En trois mots, voilà. Le cadre est complètement modifié, ok, bras oscillants, etc. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme feature exceptionnelle? La fameuse pédale. Alors, putain, et moi j'en ai jamais eu. Moi, j'étais pas dans le mobilette game. Mais j'en ai entendu parler toute ma vie, ça, cette pédale de lancement. T'en as rêvé un petit peu? Ah ouais, j'en ai rêvé. T'as une pédale? Ouais. La pédale Sirette, en fait, plus communément appelée le lanceur ou le levier lanceur, voilà, la pédale lanceur. En fait, le moteur, quand tu le démarres et que tu accélères, va prendre son régime. Et avec le système à variateur, ce qu'on appelle de l'autre côté, la courroie, va venir se soulever ici et comprimer le ressort moteur, ok? Tout se fait automatiquement, d'accord? Et ça passe les vitesses automatiquement, ok? Donc le lanceur ici te permet de contrôler la montée de ce moteur et rester dans des régimes adéquats, ok? Ouais, où t'es dans la plage de puissance. C'est une petite cylindrée, voilà. Donc ça marche dans les tours. Donc, en deux mots, si tu veux, on va faire simple. Quand tu accélères, par exemple, des fois, tu passes de la première à la cinquième tout de suite. Donc tu perds toute la puissance. Ce levier-là te permet de rester dans les rapports, les bas, la première ou la deuxième, tant que c'est nécessaire. Donc grâce à ce petit outil ici, on va dire, tu es toujours, si tu veux, sur la plage de puissance. Tu contrôles en fait le régime moteur. Okay? Un peu comme de la semi-automatique, en quelque D'accord. sorte. Okay? Comme si tu avais le doigt sur l'embrayage en motocross. Quoi. Et voilà, tu restes un peu dessus. Et. Ok. Quand j'avais ma mob, quand j'étais gamin, je rêvais d'avoir une pédale de lanceur, mais j'avais pas l'oseille. Mon gars, tu es en train de me rappeler des souvenirs. J'appuyais avec mon pied sur la cartouche de l'échappement. Et j'allais y venir. Mes pompes étaient cramées. Ouais, c'est ça. Donc ce qui se passait à l'époque avec les jeunes qui faisaient de la mobilette, comme toi, c'est que beaucoup de gens avaient compris qu'en repoussant le moteur vers l'avant, on augmentait le régime moteur, et on prenait un petit peu de patate, entre guillemets. Ouais. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils appuyaient sur le pot. Mais le problème avec ça, c'est qu'ils cassaient tout le pot, en fait. Donc le lanceur permet de, d'actionner tout ça sans casser de la pièce. Super. Il y a les travaux aujourd'hui. C'est un pot, qu'est-ce que c'est comme pot? Alors c'est un pot Gianelli, donc on n'a plus beaucoup de marques disponibles, on va dire, par rapport à la grande époque sur le marché, notamment dont tu parlais du Ninja, la marque a disparu. Ninja carte noire. Ça c'est un Gianelli, ok, qui est encore disponible aujourd'hui pour les Peugeot et les motobécanes. Ah, il est fabriqué encore? Il est fabriqué encore, oui. Ah d'accord. Ouais. Super, bon alors je propose, alors qu'est-ce qu'on fait Alex? On fait d'abord la mobilette ou d'abord le tour? C'est comme vous voulez. Moi, j'ai une idée. On va sortir la mobilette. Pendant ce temps-là, on va mettre un petit coup de propre sur cette voiture parce qu'on est arrivé un petit peu à l'arrache matin et comme on a tout improvisé comme d'habitude, ça m'embête un peu de te sortir une voiture. Donc, on va la dépoussiérer un petit peu. Et pendant ce temps-là, on va te montrer la. Enfin, tu vas nous montrer la caisse et la moto. Mais faites une course avec ton scooter. Mais grave, tu veux une course aussi? Grave, tu veux. Eh bien, si tu veux, ouais. Non, si tu veux, j'ai une question, mais sur la fourche, ça c'est toi qui les as ajoutés. Ça c'est des vérins hydrauliques en fait. Mais ça normalement c'est sur la direction. Hein. Aussi un vérin filmé. Direction. Ce sont des vérins direction moto. D'accord. Que j'ai adapté pour la fourche. C'est magnifique. Ah ouais, d'accord. C'est beau, merci. Ouais. Ouais, parce que normalement, je me rappelle que il y en avait qui allaient genre entre la barre, petit rapprochement et le guidon pour éviter que ça. Voilà. Ouais. Que ça guidonne à l'accélération. Je me demandais si c'était d'origine ou alors c'est... Non, c'est du rajout. Tout ça, c'est du custom. Bon, c'est un peu pour le show, un peu pour l'esthétisme aussi. Et c'est toi qui as usiné les pièces, là, comme ça? J'ai fait faire usiner, oui. Ça, c'est moi. C'est moi qui ai fabriqué, en soudant. C'est de l'acier soudé. C'est bibiche. Un peu comme lui, tu vois, il fait... Le bracket. Là, en même temps, c'est pas con ton truc. Je regardais ça tout à l'heure, là, les amortisseurs direction, tu peux régler la dureté. Oui. Donc, ça six positions. Tu peux durcir ta fourche ou pas, quoi. Ouais. Donc, c'est une solution, entre guillemets, facile
et pas trop, trop onéreuse, voilà, d'avoir une fourche avec un réglage de dureté. De transformer ta fourche en hydraulique, puisqu'il faut savoir que ces fourches-là, c'est de l'huile et du ressort à l'intérieur, mais ce n'est pas vraiment un système hydraulique. Il n'y a pas de valve dedans. Il n'y a pas de valve. Non, c'est juste donc un piston. Ça permet un peu d'avoir cette sensation de. Non, c'est cool, c'est malin. Voilà. C'est malin. C'est bon. C'est pas mon idée. C'est pas mon idée. C'était l'idée d'un préparateur en France qui m'a dit, tu sais, mets un vérin comme ça hydraulique, justement, tu pourras peut-être arriver à transformer ta fourche et lui donner un peu cette sensation d'hydraulique. Ah, j'ai envie d'entendre le bruit maintenant. Ça, c'est agréable, tu mets ça sur tes pieds de lit, dans chaque coin. Ah ouais, ça y est, rien. En connaissance de cause. Toi, tu peux régler la dureté, si t'es en forme ou pas, c'est ça? Après, aux États-Unis, fais gaffe, il t'en faut des gros. Parce... Ouais. Faut du heavy duty, comme on dit, voilà. Ouais, je dis une connerie. Ah bah alors. Bah voilà, et c'est y a toujours une petite connerie, mais toujours dans le domaine de la mécanique. Oui, ah, hein, voilà, on est toujours. Oui, toujours on reste. C'est, voilà. Ok, et ben alors, moi j'ai envie d'entendre ce bruit, ce bruit-là. Rémo, est-ce que ça t'ennuie de mettre un petit coup de plumeau sur la, sur la caisse? Vite fait, nous on va sortir ça et puis après, bon, on va essayer cet engin. La nénette. Ouais. La nénette. Là-bas. Non, je suis chaud là. Ouais. Et ben écoute, je vais ouvrir la porte. D'accord. Si tu veux l'amener jusqu'ici. Ouais. Ah, oh, ce truc. Bon, ça, là, on passe d'un extrême à l'autre. Hein, là, on va vous dire, on a un V8 de 10 litres de cylindrée. Non, ouais. Non, là, on a un petit deux temps, tout petit cylindrée. Il m'a dit 65 cm3. Il veut qu'on fasse une course. On peut faire une course avec le petit. Donc ça, c'est le 125 Yamaha, qui est le même que le MBK en fait en France. Donc ils ont le Yamaha. Et le phare avant, il vient d'où? Home Depot. C'est une lampe de jardin. Ah, une lampe de jardin. Oui. D'accord. Non, mais c'est cool, c'est malin. Je trouve qu'il a une bonne dégaine. Ouais. C'est pour le show, encore une fois. T'as ton... Ah, c'est vraiment cool. T'as le casque et tout. Et les lunettes, surtout. Bon, bien sûr, avec les shades, hein. C'est vrai qu'il y a une flore. Bah, bien sûr. C'est important. C'est pas que pour le soleil. Hein. Le soleil, quand même, il a peur. Attention. C'est bon, mais en fait, on est à plusieurs lives sur une série de piles. Et d'habitude, on change. Mais comme j'étais en congé cette semaine, est arrivé et que je suis allé te chercher avec le truck ce matin, du coup, on a commencé, on comme d'habitude, prêt. À moitié à la bourre. On n'est pas prêt. On s'excuse. Donc, ça veut dire que dans pas longtemps, le tien aussi va mourir. Voilà. Donc, si tu veux, je te change tes piles maintenant, comme ça, c'est fait. Ouais, bon, allez. Non, non, full. Et ben voilà, full. Impeccable. Gâté. Non, mais... Donc on va pouvoir entendre cet engin. Cet engin de bord. Ouais. Faut pas dire ça. Donc t'as une manette pour décomprimer? Alors. Oh le truc. Non, pas là-dessus. Retour en enfance. Quoi. D'accord. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de la démarrer parce que tu te combats contre la compression. Ah bah oui. Tu la courroie, si elle est un peu grasse, a tendance à glisser et là c'est fatigant à démarrer. Donc je vais lui mettre un peu de starter ici, que j'ai la petite manette. Ouais. Un peu d'accélérateur et on va prier les dieux de. Ah ouais, faut qu'on soit à côté. Donc voilà. Il faut parler à côté, voilà. Et ben on va se mettre explique là. Ouh, dang. Ah, tu m'as eu, j'étais pas prêt là. Ouh. Ah, j'ai déposé. Je suis en forme. Il est chaud là. C'est l'effet 103 ça. C'est ça. Donc là, il y a une petite procédure, tu m'as T'aurais dû attendre au moment où il la pousse. Ah, ouais, j'ai hésité. Bon, alors je vais la pousser, je vais garder la tension sur la courroie. Ah, c'est bon. Et puis logiquement, ça va entraîner le variateur qui va faire démarrer le moteur. Allez, vas-y. Logiquement. Allez. Hein. Logiquement. Allez. Après, tu connais Hollywood, hein. On est là. Chewing gum. Voilà.
Clavus, c'est très écologique. Hein. Ouais. Il n'y a pas de fumée, rien, c'est nickel. Bah, c'est le deux temps. Voilà. C'est pour ça qu'on ne peut plus en acheter neuf ici ça depuis. Il m'a dit depuis 2006, on ne peut plus acheter de deux temps neuf. Ah ouais? Non, tu es obligé de. Par contre, tu as le droit de continuer à faire vivre les anciennes. C'est un petit peu ce qu'ils font en France avec les anciennes. Hein. Les voitures dont on s'occupe en France, on pourrait pas les acheter neuves. Hein. Ah bah ils veulent. Même les voitures d'il y a 10 ans, on pourrait même plus hein, déjà les acheter neuves. Ça devient compliqué. Donc là, c'est. Je vais me mettre à côté de l'échappement là pour le. Ah, le petit deux temps là. Ah, c'est bon. Hein. Donc là, j'ai vu que tu avais un dash. Il n'est pas connecté, mais ouais. D'accord. C'est un dash qui fait qui un va peu, te donner la température de l'eau. C'est température de l'eau, contour, vitesse, raccordé bien sûr au diamètre de la roue. Enfin, tu fais du settings. Ok. Mais je n'ai jamais vraiment connecté quoi. Je la sors, pour ainsi dire, jamais. Ouais, c'est plus pour pas le show. Toi non plus. Bah oui. Ok, comment? Non mais tu vas nous faire. Non, toi tu vas nous faire une démo. Là tu nous fais une petite démo. Je vais démarrer le scoot pendant ce temps-là. Monsieur Gentil. Comme un homme. Comme un homme, un vrai bonhomme, sans casque. Voilà, comme un homme. J'avais peur d'un homme. J'avais peur d'un homme, voilà. T'es bon dans ta petite chemise à. Ouais, franchement, je la kiffe. Ouais. Ouais, c'est bon. J'avais envie de faire plaisir. Les roses, ouais, c'est romantique et tout. Ah, j'adore les roses. Bien sûr, moi aussi, j'en offre souvent. Jamais moi. Jamais d'accord. Non, c'est cool. Non, c'est cool. Ouais. Bon, je revis, là. J'aime bien les petits détails que t'as fait. Alors, on va se casser, montrer le bon exemple. Je vais quand même mettre mon casque. Ouais, ouais. T'as pas de micro, toi? Non. Non. Voilà, Charlie, t'as perdu. Bah, là, c'est un tue la prend. Hein? Il est tu le démarres? Critique, mais il a démarré. Il est démarré. Thank you. Ouais. Thank you. Attends, laisse-le chauffer. Il a 120 miles. Ça, c'était une idée excellente que j'ai eue. Je me suis dit, je vais acheter un scooter pour aller bosser, ça va me rappeler la France. Et en fait, je m'en suis quasiment jamais servi parce que la plupart du temps, le matin, j'ai des trucs à trimballer. Je suis au téléphone déjà avec les clients et tout. Et donc, en fait, le scooter, ça ne va pas servir à grand chose. Mais bon, il est là, il dépanne de temps en temps, on fait des petites courses avec. Voilà. Bah ouais. Mais le degré de coulitude n'est pas le même. Gentil, écoutez, ça c'est du nouveau, moi je vous ai mis de l'ancien là, voilà. Monsieur Gentil. Exactement. On touche avec les yeux, on regarde avec les mains. Allez, monte Alex, on va faire un baby-foot. Hein? Monte, on va faire un baby-foot. Monte pas derrière toi. Voilà, t'as bien raison. Ah bah... Je monterai même pas derrière moi. Ah, là, non, non, non. Bon, c'est moi qui donne le départ alors. Hein? Je donne le départ. Non mais il fait quoi? Tu fais d'abord un passage ou Moi tout seul? Ouais, comme ça. Bon, on fait un passage. Okay. Puis après on en fait un petit passage. Oh, j'ai une idée, si Jenny elle me suit, on peut aller se promener. Carrément. Comme ça pendant ce temps-là, vous pouvez sortir la. On joue au baby. Ouais, vous pouvez sortir la bustande. Attends, mets-moi un casque. C'est... Ah ouais. Hein? Il y a un truc qui se passe. Ah, c'est cool. Ce bruit, c'est vrai qu'ici on l'entend pas quoi. Non. C'est pour ça que quand je passe des fois avec des machines comme ça, les gens ils hallucinent. C'est. Mais c'est quoi ce truc? T'as fini. Ah, c'est moi qui filme. C'est toi du grand Mendes. Du grand Mendes. C'est de toute beauté. Hein. La bête. Ah, c'est une tuerie. La mythique, la fiche au centre. Hey Charlie, tu vas à l'escabeau? Ça fait combien de temps que tu l'as pas roulé alors? Non, ça fait pas si longtemps que ça. J'étais sorti sur Hollywood Boulevard il y a pas si longtemps. Ok. Peut-être quelques semaines là. Ok. Moins d'un mois, je pense, un truc comme ça. Ça doit faire sensation quand même quand tu te trimbales avec ça, non? Bien sûr, bien sûr. J'ai l'impression de revenir en arrière, je sais pas, retour à le futur. Let's go! Let's do this thing!
Fais gaffe parce que tu sais le vent là ça va lutter contre le truc. Bon alors, petite mobilette du papy. Ouais. Contre scooter 125, 4 temps. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est parti. Un petit tour gentil là-bas ou quoi? Ah bah allez, pleine balle, pleine balle. Pleine balle. On va, on va là-bas, on va repasser devant eux là. Ok, donne tout. Allez. On va où, à droite? Et si on m'avait dit qu'on ferait un live en mobylette et en scooter, alors là, franchement... C'est malade. C'est beau. La Cali, le soleil, on est là. Voilà. Les Français sont incorrigibles. Ah, les Français, tu vois, ils vont quelque part, ils amènent leur vin, ils amènent leur fromage, ils amènent leur mobylette. Qui pue. Le fromage qui pue, les mobylettes qui puent. Les mobylettes qui puent. Insortables, les Français. Insortables. On va tout droit, là? Ouais, on va aller tout droit. Au prochain feu, on fait demi-tour, on va repasser devant les gars. D'accord. Et puis après, on va la laisser à Alex. Bien, pour qu'il fasse un petit tour. Yo, 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 les mobeurs. Les fans automobiles. C'est parti. Je peux rien faire. À fond, là? Ouais, j'étais à fond. On va faire demi-tour. On fait demi-tour. Attends. Demi-tour. Ouais. Comme un boss, let's go. Vas-y. Allez, vas-y. Je te suis. Comme ça, tu vas pouvoir nous faire un passage. Parce que nous, avec le micro, et j'arrive pas à te suivre de toute façon. D'accord. Et j'étais à fond là. C'est vrai? Ouais. Putain, la vache. Oh, bah, c'est vraiment une merveille alors ce truc. Non, mais je crois qu'il faut que tu lui fasses un petit truc. Faut que tu mettes un kit T6 dessus. Voilà. Magnifique. J'espère que ta communauté kiffe bien. On se fait un gros plaisir. Ouais, mais. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais fort, hein? Si nous. Si ouais. Nous on se fait plaisir, en général les gens ça leur fait plaisir aussi. Ouais. Tu peux lui faire signe qu'il refasse un passage, parce qu'on a eu un petit. On a eu un petit truc de connexion là. Faites-lui signe s'il vous plaît, je vais ranger ça. Excellent. Ah là, je kiffe. C'est génial. Vous connaissez de haut, les affaires. Alex, tu veux l'essayer? La mobilette. Oh. Hein? Non, carrément. Génial. Tu veux le casque? Non. Alors, donc ici tu as le lanceur. Ah ouais, je laisse le pied dessus. Pour le faire le launching. D'accord. Et tu verras en fonction que le moteur monte. Bon, bah je vais juste. Je vais... Tu vas le sentir à l'écoute moteur, Régis. Je vais. Et là, je reviens. Sur quoi tu vas coincer un peu ton. 25 en arrière, ouais, je vais aller gentil. Reste à l'extrémité. Il faut que tu sois dessus pendant le launching. Il faut vraiment que tu sois dessus. Attends. T'as vu ça? Eh, on se croirait en France là, dans les années 80 là. Hein, ça eh. J'ai l'impression qu'il a 14 ans là. Sans casque et tout. C'est un truc de malade, c'est un truc de ouf. Oh, c'est beau. Ah non. Le voilà. Attention là. C'est pas obligé.
Eh, c'est la première fois que tu la vois rouler du coup? C'est la première fois que je la vois rouler, que quelqu'un la roule. Ah ouais, bah c'est sympa, merci. Du tout, hein, du merci. Jamais. Personne n'a jamais roulé celle-là. Enfin, à ma connaissance, hein. Je crois ouais. Pas. Ça me rappelle mon ex. Ça fait bizarre. Oh, c'est... Putain, en fait, on a un gamin de 14 ans. Mais regarde, comme il est content, regarde.